système de contention innovant a été pensé autour de 7 repères fonctionnels. Je vais les résumer rapidement. Ce système doit permettre l'entrée et la sortie efficace des animaux. Doit aussi permettre de contenir le bovin. Contenir, c'est-à-dire d'empêcher, de limiter ses mouvements, notamment du corps, avant, arrière, gauche-droite. D'immobiliser l'animal quand il y en a besoin pour intervenir dessus. Des interventions qui demanderaient de la précision et pour gagner en sécurité. Donc immobiliser, c'est empêcher totalement les mouvements du corps et de la tête du bovin. Mais aussi offrir les conditions d'accès aux bovins pour les opérateurs qui puissent intervenir facilement. De permettre de poser à portée de main tous les outils qui sont nécessaires aux interventions. Et puis un point qui est aussi important, c'est de permettre le nettoyage, la désinfection et la maintenance de ce dispositif. Sur chacun de ces points, on a essayé de trouver les meilleures solutions. Et ça reste et ça restera toujours une histoire de compromis, d'arbitrage, parce que le système de contention idéal n'existe pas. Donc on a essayé de faire au mieux, mais on compte aussi aujourd'hui et dans les semaines et années qui viennent sur l'intelligence collective pour essayer de trouver des solutions aussi, peut-être d'autres solutions par rapport à ces repères fonctionnels qu'on a définis.